Alors, une actu concernant le modèle Y, nouvelle batterie pour une version moins chère. Alors, il prendrait les batteries de Bide, les batteries Blade apparemment. Ça donnera un ticket d'entrée de 10 000 euros de moins. Ça mettrait la voiture autour de 54 000 euros, hors bonus, donc 52 000 euros avec le bonus déduit. Par contre, le problème, c'est que ça diminuerait de presque 100 km l'autonomie. 440. 440, c'est pas foufou quand même, hein. Alors, je sais bien qu'il y a les superchargeurs et que Tesla recharge vite. Mais du coup, là, par rapport à la concurrence, bah, c'est pas terrible, c'est moyen, je dirais. Le tarif est pas au fou, hein. Ce dernier, donc, Bide, avait laissé entendre qu'il allait fournir des batteries Tesla, mais les regards étaient plutôt tournés vers l'usine de Shanghai. Selon le média China, des batteries Bide auraient été livrées sur le site européen il y a quelques jours, en vue du début de la production en septembre. Particularité, ce sont des batteries LFP, donc, avec les lames, hein, avec l'avantage, donc, d'être plus sûres. Le risque d'incendie est bien plus faible. Le modèle s'appellerait modèle Y, tout simplement. Et il serait ajouté bientôt au configurateur si ça se confirme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ce modèle Y standard, on va dire, vous intéresserait? Je vous laisse commenter.